поддержать Польшен до социализму, до Швенца упомянуть каждого членка партии. Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse. Incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or, elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites d'ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment, pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains travailleuses.